et bienvenue au studio Euronaval dans lequel on reçoit Pierre Tufigo. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez chez L-Wave, c'est ça? Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites? Donc je suis le président fondateur de L-Wave. On développe des systèmes de détection électrique sous-marin qui vont permettre de détecter l'environnement d'un véhicule, donc un véhicule téléopéré ou d'un électrique. Sous-marin. Électrique, oui. C'est-à-dire donc, en fait, on génère un champ électrique autour du véhicule et on va mesurer les perturbations du champ électrique par l'environnement. Et avec les algorithmes, on va permettre de détecter où est-ce qu'il est l'objet, quelle est sa taille, sa forme, etc. D'accord. Donc, ce n'est pas du magnétique comme d'habitude ou de l'acoustique. Là, on est vraiment sur un champ électrique qui se fait autour de votre... Oui. C'est quoi? C'est des drones? Donc, en fait, on installe sur des drones ou des véhicules téléopérés. Et effectivement, c'est l'électrique. Classiquement, c'est du magnétique. Donc, ça va détecter les objets ferreux. Par exemple? Nous, on utilise une autre techno. On va détecter l'impédance électrique. Voilà. Et on va détecter les contrastes d'impédance entre un objet et son environnement. Voilà, donc ça nous permet de détecter tous les objets, métalliques et non métalliques, et on va pouvoir dire est-ce que l'objet est vivant ou est-ce qu'il n'est pas vivant, etc. Et l'autre application, c'est que en fait, le champ électrique se propage dans les sédiments marins, et on va pouvoir détecter les objets enfouis, donc les mines, en les câbles, profondeur. Les ouais. Alors là, vous avez gagné un prix d'innovation. Oui. Félicitations. Merci. Le grand prix. Ouais. C'est quand même extraordinaire. Donc oui, c'est très bien. Ça valorise la technologie, ça valorise le travail fait depuis 4 ans par... Mais la société. C'est aussi la conséquence parce que ça coûte moins cher, ça a plus de finesse, c'est plus efficace, ça a une meilleure portée. Quelles sont les particularités? En fait, ça détecte ce que les autres ne détectent pas, en particulier les systèmes magnétiques. Et ça nous permet de classifier, c'est-à-dire qu'on va pouvoir donner une information de taille et de forme. Et là où les systèmes, notamment magnétiques, vont donner une sorte de tâche sans information particulière, nous, on va pouvoir dire si l'objet est cylindrique ou sphérique, etc. Et les matériaux utilisés également? Si c'est du plastique? Dans un deuxième temps, oui, bientôt. Les matériaux utilisés. Bon, là, on a une première version du produit qui permet de faire cette classification de taille et de forme. Et on a des travaux pour aller plus loin dans la finesse de l'information et avoir une information plus précise sur le matériau, la corrosion, voilà, des choses comme ça. Alors oui, du coup, pour la maintenance navale également, ça pourrait être intéressant. Mais en fait, on a des applications militaires et des applications civiles. Et notamment dans les applications civiles, on va pouvoir faire de la maintenance de monitoring de corrosion d'infrastructures, de pipelines, des choses comme ça. Alors là, du coup, félicitations encore pour ce Grand Prix. Ça va, je suppose, vous ouvrir beaucoup de portes. Ouais. Dans 5 ans, dans 10 ans, vous voyez où d'un point de vue technique et également pour votre entreprise? Donc là, aujourd'hui, on a le premier produit. Donc on a la commercialisation du premier produit qui arrive. Et dans 5 ans, il s'agit d'étendre les gammes de produits, d'améliorer la finesse de l'information qu'on sait rendre et du coup d'aller étendre les gammes de produits et aller investiguer d'autres marchés dans le civil, d'autres marchés, d'autres applications dans le militaire. Et après, on est un marché qui est 80-90% export. Oui. Donc, en termes de développement de la société, il y a l'implantation des filiales à l'étranger. Vous avez déjà des partenaires à l'étranger? Oui, en fait, dès aujourd'hui, 80% de nos clients et partenaires sont étrangers. Et donc, ça, il faut développer ça, il faut avoir... D'où votre présence ici? J'ai vu que votre stand était très fourni, beaucoup de gens qui viennent vous voir. Oui, on a eu beaucoup de délégations étrangères qui sont venues. On a un sujet très d'actualité qui est la détection des câbles enfouis. Donc avec l'actualité politique ou géopolitique actuelle, c'est un gros sujet d'inquiétude, de préoccupation pour les forces. Titre. Et voilà, donc on a beaucoup de délégations qui viennent pour savoir nos capacités à détecter et à suivre ces câbles-là. Très bien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Merci à vous.